Et c'est là où Marie-Antoinette, quand elle séjourne à Versailles, se réveille tous les matins. Et c'est là aussi qu'elle doit subir, je dis bien subir parce qu'elle ne l'aime pas du tout, le cérémonial de la toilette qui dure de longues heures, qui est très très codifié et qu'elle cherche à écourter le plus possible pour se retrouver dans son intimité. Et l'intimité, c'est cette petite porte. Et nous entrons dans les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Donc pour ça, il faut les clés du paradis. Et voici le lait.